Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission J'aime mon commerce. Aujourd'hui, nous prenons de la hauteur tout en restant à bout bel air car nous vous emmenons à la découverte ou redécouverte du parc d'Acrobranche Indian Forest. Créé en 2001, le parc de 4 hectares permet aux amoureux de la voltige de s'en donner à cœur joie. Et dès le plus jeune âge, puisque Indian Forest permet aux enfants de 4 ans de s'initier à l'acrobranche. Partons pour Décathlon Village, là où réside le parc. Tout a démarré avec la naissance de Décathlon et l'opportunité d'ouvrir un parc. Le parc a été ouvert en 2001, créé par des Varsins, des gens de Vars, qui avaient déjà fait le premier parc Indian Forest à Vars. Le deuxième parc a été Bouc Bel Air. Étant donné qu'à Vars ça a fonctionné, ils se sont dit pourquoi pas en faire un deuxième. Le parc de Vars a été le cinquième en France, donc c'était au tout début. Et ici, je crois que ça a été dans les tout premiers aussi. Ça a été vraiment les tout premiers parcs à Acrobranche. J'ai un ami d'enfance qui travaille là depuis l'ouverture, qui travaille là depuis l'inauguration, qui a eu la chance ensuite de devenir responsable comme moi je le suis aujourd'hui et qui un jour a eu l'occasion de racheter le parc. Il est propriétaire depuis 10 ans. On a grandi ici. C'était mon terrain de jeu ici. Quand j'allais au collège et que j'avais perme ou pas, souvent nous venions jouer ici. À l'époque, il n'y avait que des vaches. Il y avait un paysan très gentil, l'ancienne Bastide, dans laquelle nous avons campé déjà pas mal de fois. C'était notre terrain de jeu. Donc on y a vu une espèce d'opportunité ayant grandi ici. On voulait continuer à être à Bouc Bel Air, continuer à vouloir développer des activités sur notre propre village. Nous sommes un parc acrobranche, 4 hectares et demi, on a 13 parcours, on en a pour tous les niveaux, ça commence à 4 ans et ça finit à 99 ans. On peut avoir tous les âges à partir de 4 ans. Les premiers 4, 5, 6 ans ont droit à 4 parcours. Il y a 3 parcours au ras du sol, un parcours déjà avec une tyrolienne de 80 mètres, histoire de se familiariser avec la suite. À partir de 7 ans, ils vont pouvoir aller sur des parcours beaucoup plus hauts et beaucoup plus longs. C'est ouvert à tout le monde, essentiellement évidemment les locaux, les bouquins, c'est avant tout pour ça qu'on a fait ça, pour qu'il y ait une activité sur Bouc Bel Air. C'est notre fierté, on a grandi ici, on voulait à tout prix que notre activité puisse développer la ville et qu'il y ait aussi des choses à faire intéressantes sur Bouc Bel Air. Les bouquins sont très fidèles, on a énormément d'abonnés, des gens qui prennent la carte pour l'année entière et qui voient ça comme un sport. C'est-à-dire que oui, nous sommes un loisir sportif, certains le pratiquent comme un sport. Ils sont là tous les mercredis, tous les week-ends et ils viennent faire leur activité de 2 heures. À la base, l'acrobranche a été avant tout une activité destinée pour les plus grands. C'était quand même une activité pour adultes. Au fur et à mesure, elle est devenue grand public. On a dû faciliter le parc, l'agrandir et créer des parcours beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, nous recevons les enfants. À la base, le parc était prévu à partir de 6 ans. Ensuite, on s'est ouvert pour les 5 ans. Aujourd'hui, pour les 4 ans, peut-être qu'on descendra encore pour les plus petits. L'an dernier, l'été 2021 a été un record pour nous. Les gens essentiellement se dirigeaient vers des activités en extérieur, ce que je peux comprendre. Ils ont été enfermés assez et je pense que ce qu'ils voulaient, c'était faire du sport et prendre l'air. Faire du sport dans les arbres, il n'y a rien de tel. Pourquoi pas la création encore de nouveaux parcours pour pouvoir recevoir encore plus de monde et faire plaisir à encore plus de monde. Ce sera toujours notre but. Pourquoi pas créer une deuxième activité reliée à la première? Pourquoi pas? Ça a toujours plané, c'est une idée qu'on a.
voilà, on a 2-3 idées en tête, je n'en parle pas, mais pourquoi pas encore se développer. Merci de nous avoir suivis et bel été sur Book TV.